C'est tout le monde, c'est Zork, et bienvenue pour ce deuxième épisode de OVNI Abduction. Et aujourd'hui, on se retrouve sur cette démo assez incroyable. Alors, j'ai un peu augmenté le volume du micro, j'ai fait un gain de volume, je vais voir ce que ça donne maintenant. Mais voilà, du coup, nous revoilà. Putain, je me suis fait peur tout seul. Ok, donc nous voilà dans la tour de communication. Donc ça c'est pour viser. Clic gauche pour tirer. Je me suis fait peur tout seul, ok. Donc voilà. Donc Ah mais putain, je suis déconcentré. J'ai pas vu ça. Une clé. Ok. J'ai bien fait de voir. De toute façon, à mon avis, je sais pas si j'irai bien loin. Bon, alors du coup, donc la dernière fois, je vous avais dit que cette personne-là était Selene Delgado Lopez. Voilà, dans la réalité. Activer la communication Tower. Oui. Ok, donc cette personne que vous voyez à gauche est Pamela Martinez. Donc le mec, en fait, a pris des photos de 10 de femmes disparues. Sans vraiment la moindre autorisation. Enfin bon, après, hein, c'est son problème. Il faut savoir que le jeu est un jeu fait par des Mexicains. Donc voilà, bon, bah, c'est une raison de plus pourquoi il y a des personnes de nationalité mexicaine. Et voilà. Donc en fait, d'ailleurs aussi un autre truc, c'est que quand j'ai regardé les avis de disparition, parce que oui, je suis fasciné par des trucs creepy d'Internet, quand j'ai vu le truc de disparition de Canal 5. Donc il y avait Selene Delgado Lopez et juste après il y avait cette personne-là qui s'appelle Pamela Martinez. Voilà. Donc comme quoi, hein, les coïncidences font toujours des choses. Mais bon, voilà, c'est assez creepy. Hein. Il y a même une légende comme quoi la personne-là serait une photo faite par un ordinateur, mais bon. Est-ce que c'est vrai? Oh yes! Une ambiance que j'adore. Je vais courir, hein. Y a peut-être pas besoin. Moi, ouais, j'ai pas. Ouais, si, si, si. Ouais, c'est toujours mieux que rire. Putain, regardez ce modèle 3D de la main et tout. Putain, en vrai, c'est bien foutu, hein. Pour un jeu indépendant, c'est pas dégueu. Donc, évidemment, vous en doutez, je suis toujours sur la démo. Donc, c'est pas la version finale et c'est sûrement pas un jeu qui va durer longtemps. Pour vous dire que, j'ai dû tout recommencer. En fait, il n'y a même pas de sauvegarde automatique. C'est un peu con. J'espère que dans le jeu final, il y aura. Oh, t'es sérieux? Y a rien là, je peux avancer. Ah, si, y a quelque chose. C'est la sainte soucoupe volante. Donc ça, c'est la tour de communication. Donc en fait, là-bas, c'est une tour de garde, quoi, en quelque sorte. Je me fais enlever par les extraterrestres, c'est incroyable! On verra jamais l'objectif. Ça, c'est beau. Monsieur? Monsieur? Vous pouvez me reposer par terre? Parce que franchement, c'est bien par terre, hein, c'est. On s'y sent bien, hein, je sais pas si vous le savez. Ah mais ça va durer encore longtemps cette merde. Putain mes yeux. Putain regardez, on est aussi haut que la tour, mais what the fuck? What? C'est quoi ça? Ah ok, c'est les arbres. J'ai cru que c'était un extraterrestre et tout. À côté de moi. Là mon écran est blanc. Ah, on rentre vraiment dans le truc. Ah, un écran noir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merci d'avoir joué OVNI Abduction. J'aurais continué encore plus longtemps la dernière fois, j'aurais fini ce jeu. C'est une blague. Alors, le jeu entier est sorti sur Steam le. Oui, oh, ça veut pas dire. Enfin, on, ça veut dire pas le, mais bon, on s'en bat les couilles. C'est sorti sur Steam le
30 mars 2021. Donc j'étais chercher la démo. Le jeu était déjà sorti. Bon bah au moins je saurais quoi faire comme prochain let's play. C'est ça qui est cool. Mais bon. Du coup je dois renommer les vidéos en Abduction Demo. Voilà. Parce que oui, c'est une démo. Hein. Ah, je penserais pas que j'allais finir quoi. Bon, on va faire close. Et il se passe quoi après? Monsieur? Ok, le jeu s'est fermé. Oula. Ok. M'a fait des trucs bizarres là, le. Ok. Bon, 6 minutes de vidéo, c'est pas énorme, hein, clairement. 6 minutes de vidéo, c'est pas énorme. Bon, faut tout hein, pour faire un monde. Donc voilà, c'était Abduction version démo. Et je vais me renseigner, voir s'il est gratuit ou pas sur Steam. Et s'il est pas cher, je me le prendrai. Et je ferai un let's play dessus. Voilà. Bon, ah oui, aussi. Chose que je vous ai pas dit, vous aurez peut-être remarqué que j'ai des écouteurs dégueulasses qui sont vraiment de la merde. C'est parce que ce cher casque qui m'a servi tant d'années, 3 ans de service, 3 ans d'histoire sur ma chaîne, c'est incroyable, a rendu l'âme hier soir. Voilà, donc tout fonctionnait bien. Bah, du coup, je vais pouvoir récupérer mes espèces de pause oreille là. Elle est toute noire que vous voyez. Alors du coup, en fait, oui, je sais, c'est on s'en fout, mais je le dis quand même. C'est l'embout de cette prise jack qui est mort. En gros, ici, là, la jonction de je sais pas quoi. Ça a merdé. En gros, j'ai plus de son, j'ai plus rien. Voilà, bon, bah du coup, la prochaine fois, soit vous me verrez encore avec des écouteurs, mais ça je pense pas. Ou soit je vous me verrai avec un casque encore plus pourri que celui-là. D'ailleurs, il faut savoir que ce casque-là, vraiment, je vous mens pas, depuis quelques. Ça fait depuis au moins 2019, 2 ans, je dirais, je sais même plus en fait. Vous avez remarqué, le micro. Attendez, je pousse un petit peu. Il tombe tout seul. Dès que je faisais des mouvements brusques, tout se baissait comme ça. Du coup, j'étais obligé de mettre un espèce de fil de fer que vous. Attends. Voilà, cette espèce de truc que vous voyez, il fallait que je le mette ici, là. Fallait que j'entoure pour accrocher. Enfin bon, bref, c'est pas grave le truc. Voilà. Et bon, bah. 3 ans. 2018-2021. C'est incroyable. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Bah, du coup, les amis, c'est cette petite vidéo. D'horreur et anecdote hein, en même temps, vous aura plu, ben, faites-le moi savoir par la barre des j'aime, etc. Sur ce, ciao!